Le Beaufort est un fromage produit en Savoie, dans une aire de production qui s'étend sur les vallées de la Tarentaise, de la Maurienne, une partie du Val d'Arly et du Beaufortin dont il tire son nom. Le Beaufort est un fromage au lait cru à pâte pressée cuite qui fait partie de la famille des Gruyères. Ce fromage, en forme de meule à talons légèrement concaves, a été surnommé le prince des Gruyères par Brillat Savarin. L'arbre généalogique des fromages à pâte pressée cuite plonge ses racines dans le Moyen-Âge. Depuis cette époque, les montagnards des Alpes et du Jura conservent sous forme de grands fromages les richesses du lait qu'ils produisent l'été dans les pâturages libérés par la fonte des neiges. Peu à peu, ces éleveurs de montagne ont appris à mettre en commun de grandes quantités de lait et à fabriquer des fromages de grande forme. Leur poids va rapidement dépasser les 30 kg. Emmental, Comté, Beaufort forment en France la famille des fromages à pâte pressée cuite. Ils partagent ensemble une longue histoire et une richesse gustative et nutritive exceptionnelle. Alors Céline, nous sommes en alpage à l'Estive pour les tarines qui vont faire du Beaufort. Combien y a-t-il de têtes de bétail ici? 125 en arme. Et deux taureaux. Alors vous les trayez deux fois par jour, je crois. Bon, on les traie deux fois par jour. Le matin, on se lève vers 3h30. On traie pendant 2h. On amène le lait à la fabrication du Beaufort. Puis on les retraie le soir vers les 3h. Une vache peut produire combien de litres de lait par jour? 15, 20? Oh, ça dépend aussi des vaches. Hein. 15, 20 litres, ouais. En deux fois. Non, elles font 30 litres. Non, par jour. Par jour, oui, c'est-à-dire avec la traite du matin, voilà, et avec la traite du soir. Mmh. C'est passionnant de venir traire les vaches à l'Estive. Oui, c'est un beau métier. Et alors vous-même, Céline, est-ce que vous mangez du Beaufort? Oui. Comment le mangez-vous? Comme ça. Nature, mmh, avec une tranche de pain, ouais, du pain de campagne. Ouais, il est meilleur comme ça. Et si vous aviez un petit verre de vin à prendre? Du blanc, ouais. Bon alors Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe là? Le lait revient de l'alpage? Oui, de l'alpage, de la traite. La traite, on y est, l'alpage. Alors donc, vous avez tous procédé à la traite. Il y avait, je crois, 120 ou 125 bêtes. Voilà. Ça fait quel litrage à peu près? Quelle capacité? Ça fait 850 litres. Donc là, vous déversez le lait qui vient juste d'être trait, qui est encore à température, dans cette cuve. Donc le lait passe dans un filtre. Voilà. Vous déversez les 800 litres à peu près. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le mettre à température et puis on va le faire cailler. Avec de la présure, je suppose. Avec de la présure, oui. C'est une présure qui est faite à base de caillettes de veau. Alors, la présure liquide, dosée, on vous demandera pas combien, ça c'est le tour de main. Non, c'est proportionnel à la quantité. C'est donc une présure liquide qui est à température ou à température normale? Non, elle est au frigo. Elle est au frigo. Pour qu'elle puisse se conserver. Voilà. Elle dure 2 jours en général. Ça y est, le lait est ensemencé. Voilà. On va attendre une demi-heure. Quelle est la période laquelle vous montez en altitude ou en estive? On part d'Arèche autour de avant le 10 juin. Et on redescend au 15 octobre environ. Et vous vivez ici ou vous redescendez? Non, on vit ici. Ce n'est pas un sacerdoce de vivre comme ça? Non, on est à côté, au lieu de rouler
on est sur le lieu de travail, c'est plus pratique. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Bah, peut-être parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Non, je crois que vous plaisantez là. Si oui. Vous êtes vraiment passionné par passionné. La fabrication du fromage, oui, l'élevage des bêtes. Oui, oui. Ben, c'est un global. C'est pour transformer de l'herbe en fromage. Vous chauffez directement avec le brûleur le cuivre, Jean-Pierre? Oui, oui, oui. Le cuivre, c'est un petit peu comme pour les confitures. Oui, c'est un métal qui conduit très bien la chaleur. Oui, oui. Et là, 32,9, donc vous êtes pratiquement à 33. Un petit peu, ça va monter. Là, on voit déjà la différence de consistance du lait. Le caillé a fait son œuvre. Le lait est pris. Alors Jean-Pierre, vous avez accordé le tranche-caillé. Voilà. Vous tourniez un petit peu comme sur une guitare. Ah ben, faut tendre les cordes. Voilà, et maintenant vous passez en long, en large, en travers, ce tranche-caillé dans le lait caillé. Je le découpe. Ça veut dire qu'en final, on va avoir des centaines, pour ne pas dire des milliers de petits morceaux. Voilà. C'est une étape importante ce que vous faites là actuellement? Oui, ben, tout est important, depuis la traite jusqu'à la fin de l'affinage. On voit bien la structure qui se modifie au fur et à mesure. Et puis on va voir le sérum, le petit lait qui commence à sortir tout doucement. Oui, mais ça durcit hein, pendant ce temps. C'est plus la même. Ben non, c'est pour faire une pâte pressée cuite. Il y a combien de temps que vous faites ce métier? J'ose pas vous dire, vous allez dire que je suis... Pas plus que nous. Il y a 35 ans. 35 ans, mais vous êtes jeune là. Oui. C'est une ferme de famille, enfin moi, métier de famille. Oui, ben, l'alpage était déjà mon grand-père. Grand-père, donc ça date de quoi? Du début des années 1900? Voilà, avant. Du 19e alors. Voilà. C'était déjà des tarines que l'on trouvait ici? Oui, puis il y avait un peu de mélange aussi, mais... Le système était le même, quoi, sauf que la traite était à la main, les transports à d'autres moulins. Et sinon, c'est exactement la même chose. L'élevage, c'est le même, le système est le même. Y a-t-il une obligation d'avoir une race particulière de vaches pour faire du confort? Oui, il y a deux races qui sont autorisées, oui. C'est Tarine et l'Abondance. Tarine et l'Abondance. Mais on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de Tarine que d'Abondance. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles produisent plus de lait? Non, c'est la bête la mieux adaptée à la pente. C'est une baguette, nous.
on voit que Jessica a le geste auguste qui permet de retourner la toile et de préparer la récupération du fromage. Voilà, la réglette permet de bien récupérer le caillé jusqu'au bord de la cuve. Là, on a quoi, la louche, comme poids? Fromage et petit lait ou... Là, ce que vous avez dans le, dans le linge en lin. Il y a plus de 70 kilos, 60 kilos, là. Il y a beaucoup de jus. 60 kilos parce qu'il y a, le petit lait, quoi. Il y a le jus. Mais vous allez vous aider d'un palan, je suppose. Oui. Pour amener ça dans la, dans moufle, la forme. Un petit moufle. Voilà, Jessica met le nœud coulant, amène le palan, et ça va arriver à la forme. Des formes qui sont faites dans le coin et qui sont en hêtre, je crois. Et on a l'impression que tout ne va jamais rentrer dans cette forme en hêtre. Oui, si, oui, si. Je veux dire par là que le petit lait va couler au fur et à mesure. Oui, oh ben, ça va s'égoutter. Il y a toujours eu des hommes et des femmes qui travaillaient dans les alpages. Elles ont l'air passionnées en plus. Bien sûr. Nous avons interviewé la jeune Céline qui... a l'air de, vivre et bien qui sûr. Montre son amour à la fois des bêtes et de ce, métier. Oui, bien sûr. Quel sentiment peut-on avoir lorsque l'on vit, je ne veux pas dire coupé du monde, mais un peu en autonomie? Bon, ça fait une période de tranquillité aussi. On se ressource. Je sais pas, ben, on est hors la télé, on n'est pas vraiment à la portée du portable, alors ça fait une coupure. On n'en a pas parlé encore, Jean-Pierre. Combien faut-il de litres de lait pour faire une meule d'une quarantaine de kilos, je pense? 10 fois plus. C'est-à-dire 400 litres de lait pour faire une meule de 40 kilos. Voilà. Par rapport de 1 à 10. Voilà. Ça veut dire qu'avec 800 litres, vous faites deux meules le matin et deux meules le soir à quelque chose près. Alors, une fois que les meules sont descendues un peu plus bas à l'affinage, trois opérations. Rappelez-nous quelles sont ces trois opérations dans l'ordre. Ben, au départ, les 24 premières heures, elles finissent de refroidir. Après, elles passent 24 heures en saumure. On les laisse égoutter à nouveau 24 heures quand elles sortent de saumure. Puis après, elles prennent le régime normal. Elles sont tournées, salées, frottées. Dans ce sens-là. Voilà. Tournées, salées, frottées. Voilà. Il ne s'agit pas de faire l'inverse. Ben non. Tous les deux jours. Et pendant combien de temps à peu près? Oh ben jusqu'à ce qu'elle ait 5 mois minimum. On voit une pastille d'une couleur bleue, là, c'est il y a une bleue et il y a une rouge de l'autre côté. Alors, c'est à quoi correspondent ces pastilles qui sont peut-être des pastilles de caséine? C'est des plaques de caséine, c'est des labels qui garantissent que c'est du Beaufort.
En 2010, 120 000 meules de Beaufort ont été produites sur les alpages et dans les vallées savoyardes par 405 exploitations et 7 coopératives laitières. Le Prince des Gruyères, en appellation d'origine protégée depuis 2009, continuera encore longtemps à perpétuer les traditions pastorales savoyardes.